J'ai découvert Ganassi et Safontegara au tout début, je faisais de la musique ancienne, quand, jeune cornettiste très curieux, je faisais les magasins de musique et j'achetais tout ce qui ressemblait à de la musique renaissance en partition. Je l'ouvre, je tourne les pages, je travaille un petit peu, il faut dire, et puis je la referme. Et je la referme et je me rends compte que la plupart de mes collègues, tous les gens de ma génération, ont fait pareil. L'énigme Ganassi, c'est qu'est-ce que c'est que ce traité extrêmement virtuose, avec de la musique complexe, à qui s'adresse-t-il? Quelle musique va en ressortir? Donc il y avait toutes ces questions-là qui, mises les unes avec les autres, nous faisaient buter contre un mur. Nous n'avions aucune idée comment intégrer cet ouvrage à nos pratiques. Et en fait, c'est ce qui a fait l'objet d'un outil de recherche, en se disant, si ça a été écrit à cette époque-là, cela doit avoir un certain sens. Jusqu'à présent, La Fontégara et Ganassi, et son auteur, et Ganassi, étaient considérés vraiment comme un personnage et une œuvre marginale par la musicologie. Et donc nous avons, à notre grande surprise, peu à peu, en reprenant, en réouvrant le dossier Ganassi, qui avait été un petit peu négligé jusque-là, découvert qu'en fait, ce personnage est absolument central dans la vie musicale, non seulement vénitienne, mais on pourrait presque dire italienne, du XVIe siècle. Il est entré à l'âge, à une vingtaine d'années, je crois, comme musicien du Doge de Venise. Donc en fait, il faisait partie d'un groupe de 6 musiciens qui étaient spécifiquement attachés donc au chef de la République vénitienne. Donc c'est un poste prestigieux. Ce groupe finalement symbolisait de façon sonore la puissance de la République vénitienne. Si je veux schématiser, si je peux m'autoriser à schématiser, la musique de la Renaissance d'une manière générale est une sorte de squelette sur lequel les musiciens, quels qu'ils soient, et de différentes manières, brodaient en ajoutant des ornements et ce qu'on appelle des diminutions, parce qu'on diminuait la valeur rythmique de la notation. C'est-à-dire que là où le compositeur écrivait une note, puis une autre, le musicien en jouait 5, 10, 12, jusque 32 pour arriver à la note suivante. Le traité semble étrange parce que finalement, diviser une valeur pleine en 5 avec des rythmes complexes donne un résultat sonore qu'on n'a jamais entendu, en tout cas dans le cadre de la musique classique et ancienne. Et donc ça, de toute façon, c'était un problème. Le second problème était que ce traité nous incitait à jouer de manière extrêmement virtuose. Et quand on combinait les deux choses, des rythmes très complexes et une musique très virtuose, on se retrouve vraiment tout à fait dans le désert. Alors pour sortir de l'impasse et résoudre l'énigme, il y avait deux voies. Ou bien on rentrait dans une voie dite spéculative, qui est l'interprétation de beaucoup de collègues qui disent que c'est un traité spéculatif, donc qui nous invite à réfléchir un peu plus au monde de cette époque à Venise, comment les humanistes, les musiciens pensent la musique. Et l'autre chose, c'est de se dire, Silvestro Ganassi est un praticien, il écrit dans la langue vernaculaire, il s'adresse à ses élèves, et donc c'est quelqu'un qui nous parle de sa pratique, donc pratiquons. Et donc j'ai trouvé une grande partie des premières réponses, en tout cas, et les réponses musicales, je les ai trouvées simplement en appliquant systématiquement la plupart de ses figures, de toutes les manières qu'il le propose, sur tous les répertoires qu'il a peu connus. Et il a fallu effectivement beaucoup travailler. Timéa et moi, on a tendance à préférer la version basse en fait. Ah ouais ?
Non, c'est aussi parce que là, on avait déjà parlé de ça, mais la flûte en sol qui joue en sol, ça sonne un peu dur et c'est pas tant dans le caractère de la pièce que ça, quoi. Tout bon musicien sait séparer une valeur en 5. En 10, ça va à peu près. Mais du coup, quand les rythmes sont complexes, c'est un univers rythmique et sonore que nous ne connaissons pas du tout et que du coup, quand l'œil arrive à décrypter, l'oreille n'entend pas tout de suite. On est habitué à séparer une ronde à la diviser avec 4 notes. On entend quelque chose comme ça. Faire 5 n'est pas si compliqué. Faire 10, c'est un peu plus compliqué, ça va plus vite. Et déjà là, on est dans un univers musical différent, pour une raison aussi secondaire qui n'est pas rythmique, c'est que ce que Ganassi lui-même appelle les villets, les voix, les contours mélodiques, sont des choses absolument inconnues, puisqu'on travaille avec des nombres de notes avec lesquels on ne travaille jamais. Du coup, ça occasionne des chemins mélodiques qu'on n'a jamais entendus, quand bien même, de loin, ils ne paraissent pas incongrus. Mais les doigts et le cerveau de la personne, je l'ai vécu comme praticien, quand il faut faire 10 notes, les doigts résistent. La Fontegara, c'est un échantillon énorme de formules de diminution avec lesquelles on est censé de créer nos propres diminutions, nos propres compositions. Or, il y a très peu, ils sont rares les musiciens aujourd'hui, qui cherchent à écrire et à jouer selon les propositions de Ganassi. Sa façon de noter la musique est tellement éloignée de la représentation de la musique qu'on n'ose pas jouer avec ces formules. Ce qui est génial avec cette idée, c'est qu'il y a plusieurs énigmes à la fois. C'est comme si chacun pourrait trouver un énigme pour soi-même, un peu. Si on lit le traité et on associe un son avec, quel son on imagine avec les formules de Ganassi, quelle flûte marche avec les doigts qu'il donne, parce que c'est ça aussi qu'il y a les formules, mais il y a aussi toutes les nuances qu'il propose avec les tableaux de doigts. Et donc c'est ça le problème, parce que quand on l'ouvre, on est très surpris, parce qu'on n'a pas l'habitude de lire la musique de cette façon-là. C'est aussi la solution, puisque cette façon d'écrire, avec cette précision, ça nous amène à ouvrir des portes sur un champ de possibilités de jeu où la liberté sur le temps précis est énorme. Donc ça nous amène sur ce qu'on appelle l'agogique dans la musique, c'est un champ qui est à la fois libre et précis. On retrouve la solution dans la Fontegara. En fait, Ganassi résume l'art de la diminution en une seule phrase qu'on trouve au chapitre 13. Il dit « La diminution n'est autre que l'ornement du contrepoint ». C'est-à-dire qu'on a une phrase musicale et quelque part, pour reprendre une expression de la scolastique et d'Aristote, il faut habiller cette phrase. On ne sort pas tout nu dans la rue. Donc quand on habille une note, on appelle ça un agrément. Ce sont des petits ornements, des grâces ou des galanteries, comme dit Ganassi lui-même. Et si on habille la phrase entière, on utilise donc nécessairement des diminutions. Ces ornements, ces diminutions ne sont jamais marquées, et ce, jusque très tard, pour une simple et bonne raison. Si on se replace à cette époque-là, imprimer de la musique, écrire de la musique, avec la complexité qu'il faudrait si on voulait restituer exactement le son vivant, c'est un travail de titan. Et que quand le son est très riche, très varié, il faut une infinité de signes, et cela coûte une fortune. Le papier, c'est déjà 50% du prix du livre. L'une des singularités de Ganassi en tant que musicien, et ils sont très très peu à leur Renaissance à être dans son cas, c'est que c'est quelqu'un qui a voulu imprimer lui-même sa musique, et non seulement l'imprimer lui-même, mais l'aggraver lui-même tout d'abord. Il était réputé comme peintre. Son nom figure dans les traités de peinture vénitiens de l'époque comme l'un des grands peintres de la ville. Il était sans doute, on pense, élève de Giorgione, ami de Titien. C'est aussi une chose à porter à son crédit, c'est un homme de la Renaissance complet.
Ganassi, dans les premiers chapitres, quand il présente la flûte à bec, il la présente, comme tous les autres instruments, comme un moyen pour imiter la voix humaine. Et donc, il dit que bon, pour apprendre la flûte, il faut maîtriser le souffle, la langue et les doigts. Et le souffle et la langue, il parle de tout un tas de détails pour chercher à imiter toutes les nuances et tout le caractère de la voix humaine. Parce que ça, c'est aussi une idée. Qu'est-ce que ça veut dire d'imiter la voix humaine? Si c'est imiter les paroles avec l'articulation, les consonnes et les voyelles ou le discours, il proférerait comme dit Ganassi. Ça dépend aussi, je pense, dans quel contexte on joue, si on accompagne les chanteurs, si on... Je sais pas, c'est vaste, en fait. Aujourd'hui, le chanteur qui veut aborder la polyphonie sous l'angle justement de ce traité de Ganassi, il se retrouve face à quelques difficultés de plusieurs niveaux, plusieurs ordres. Et le plus important, c'est une difficulté qui est technique. C'est-à-dire qu'à cette époque, dans les salons, on avait probablement coutume de chanter d'une manière qui faisait qu'on pouvait se permettre ces ornements, beaucoup de virtuosité, le chant de la gorge, comme il est beaucoup décrit dans les traités. Mais aujourd'hui, on a perdu cette tradition, c'est une façon de chanter qui s'enseigne quasiment plus. Donc tout le challenge pour moi, ça a été d'essayer d'aller chercher là-dedans. Et dans quelle mesure je pouvais imiter les copains ou même proposer des choses en termes de diminution en tant que chanteur et dans cet effectif, petit effectif de chambre, on va dire. Pour laquelle le traité a été insuffisamment pratiqué, regardé, c'est que du point de vue de la simple transcription, les éditeurs ont édité ce traité comme on édite en général de la musique, avec des conventions d'édition qui ne conviennent pas du tout à ces ouvrages anciens. Alors, nous avons décidé de publier le Silvestro Ganassi d'une autre manière, pour une simple raison, c'est que la découverte de la logique intrinsèque du système de notation de Ganassi nous amenait à l'écrire autrement. Nous avons fait un pas de géant dans la lecture et du coup dans la pratique, puisque nous sommes lecteurs, en constatant que les figures écrites par Ganassi se révélaient être des figures tout à fait normales de diminution. Donc une partie de ce que nous appelions à l'époque l'énigme Ganassi était résolue ipso facto. Depuis que je participe dans ces projets, je sais que j'ai dû changer mon approche en plusieurs niveaux, de comment j'écoute aussi la musique, comment je joue, comment j'écris aussi des diminutions, comment j'improvise. Je trouve ça génial. Faire un concert à San Rocco est emblématique pour différentes raisons. D'abord, effectivement, être à Venise, le rêve c'est de jouer et d'être à San Marco, mais tout le monde connaît les difficultés de rentrer dans San Marco, ne serait-ce que comme touriste. Un autre lieu important, évidemment, pour, autour de Silvestro Ganassi, c'est cette scuola San Rocco, donc cette fondation très importante, une des plus grandes fondations de Venise à cette époque-là, dont une des grandes salles maintenant est parfaitement décorée par le Tintoret, c'est-à-dire un petit peu postérieur, mais la bande d'instrumentistes, l'ensemble instrumental d'Alfontego, donc dirigé par Silvestro Ganassi, avec un de ses fils et ses deux frères, ont été employés comme musiciens à San Rocco. Aujourd'hui, le problème qui se pose à
à moi et à de nombreux musiciens qui ont participé au projet, ce n'est pas d'avoir ou pas résolu l'énigme, c'est d'avoir un matériel donc, qui nous relance dans un travail et qui a radicalement changé notre relation au son, à l'instrument, à la partition de la musique Renaissance. Et le premier bénéfice que j'en ai retiré pour l'instant, à défaut de pouvoir improviser véritablement à la Ganassi et de pouvoir jouer avec des jazzmen ou des gens habitués à jouer très librement, avec une liberté rythmique que je n'avais pas avant, parce que là, j'ai engrangé effectivement un vocabulaire rythmique grâce au travail sur Ganassi, c'est-à-dire que je ne peux plus jouer sans diminuer plus ou moins. C'est-à-dire que là, la diminution devient une chose intégrante et intégrée quand je lis une partition et quand je la joue. Et donc là, c'est évident que le vocabulaire très riche de Ganassi est aussi une plus-value pour la variété, cette varietas dont parlent tous les auteurs de la rhétorique, que le musicien doit maîtriser pour séduire, émouvoir et convaincre son public.